Hippodrome de Pompadour, course de poney. Dans quelques instants, la première épreuve de cross à poney, prix des Amis du rugby, championnat de France, poney B, France Cire, poney cross challenge 2023. Ils sont 8 au départ. Donc les poneys qui viennent de sauter la EDC, le départ réel sera donné dans quelques instants.
Et le départ est donné sur vos applaudissements pour cette première épreuve de cross à poney. Il y a 2500 mètres à parcourir. Et pour aller sauter le premier obstacle, c'est Cosford Perle qui a pris le meilleur départ et qui a donc l'avantage sur le numéro 6, Siren Fist Tabitha, qui vient en deuxième position. En troisième place, on retrouve le 9, c'est Laigeto Gemina qui vient donc troisième. Le numéro 7 et quatrième, c'est Clogène Fer Tricle. Ces quatre-là qui sont légèrement détachés du numéro 3, c'est Cosford Perus. On fait un effort à l'arrière avec l'As qui vient d'ailleurs de se montrer légèrement fautif sur cet obstacle, c'est Vitamine Braise. On retrouve ensuite la casaque du Haras de Saint-Voire, c'est Siren Fist Arcturus. Et on ferme la marche avec le numéro 8, c'est Cowans Russell Dazzle. Conquérants qui sont au milieu de l'hippodrome, sous la conduite du numéro 4, Cosford Perle, qui a l'avantage sur le numéro 6, c'est Siren Fist Tabitha, qui vient en deuxième position. On va aller sauter un nouvel obstacle. Troisième, bien le 9, c'est Laigeto Gemina. Pour l'instant, pas de chute dans cette épreuve, tout se passe bien. On retrouve ensuite le numéro 7, c'est Clogène Fer Tricle, qui vient quatrième. Un nouvel obstacle qui est bien passé par tous les concurrents. On va se diriger maintenant vers le guet sous la conduite de Cosford Perle qui reprend et qui a perdu l'avantage. C'est maintenant le numéro 6, Siren Fist Tabitha, qui a pris le meilleur. Alors que les concurrents vont se diriger vers la suite du parcours. Le contre-coup qui a été franchi par tous les concurrents. Il y a eu du changement en tête, changement de leader. Puisque c'est maintenant la casaque du Haras de Saint-Voire avec le numéro 2 qui a pris l'avantage pour aller sauter un nouvel obstacle. Donc le numéro 2 qui vient sur la ligne de tête. On retrouve ensuite d'autres concurrents qui sont bien en course comme le numéro 7, c'est Clogène Fer Tricle qui vient dans le groupe de tête. On a repris l'avantage avec le 4, c'est Cosford Perle qui mène tous ses camarades une nouvelle fois devant vous. Sous vos applaudissements, vous pouvez les applaudir. C'est 8 concurrents de cette première épreuve. On va sauter là devant les tribunes. On s'est rapproché avec le numéro 1, c'est Vitamine Braise qui vient maintenant en 3ème position. Le 9, c'est Legaito Gemina associé à Camille Rossignol qui vient 4ème. On retrouve ensuite le numéro 2, c'est Siren Fist Arcturus qui précède le 6 qui a un petit peu reculé, c'est Siren Fist Tabitha. Le numéro 8 est en avant-dernière position, c'est Cowans Russell Dazzle. Et on ferme la marche avec le numéro 3, Cosford Perus. On va aborder la dernière partie du parcours. Le numéro 4, c'est Cosford Perle, associé à Soline Hier-Fouchard, qui a l'avantage et pratiquement depuis le départ. Mais on vient à sa hauteur maintenant avec le numéro 7, c'est Clogène Fer Tricle, qui a pris le meilleur maintenant. En troisième position, la casaque Papo, c'est Vitamine Braise qui vient et qui précède le numéro 9, c'est Laigeto Gemina, qui va en quatrième position. On attend derrière le groupe de tête avec le 2, c'est Siren Fist Arcturus, associé à Timéo Caron, qui semble avoir des ressources, alors que l'allure s'accélère. On accélère avec la casaque Papo, qui vient prendre maintenant une de longueur d'avance sur ses concurrents. Vitamine Braise qui a pris le meilleur sur le numéro 9, Laigeto Gemina. En troisième position, le 7, c'est Clogène Fer Tricle qui vient troisième. Ensuite, on retrouve le numéro 2, c'est Siren Fist Arcturus. Le numéro 6, Siren Fist Tabitha qui vient en cinquième position. Devant encore le numéro 8, Cowans Russell Dazzle. On va aller une deuxième fois vers le guet et attaquer la phase finale de cette épreuve. Vitamine Braise associé à Calix Moisson qui a toujours l'avantage sur le numéro 7. Clogène Fer Tricle qui vient deuxième en troisième position. Voilà le numéro 9, Laigeto Gemina qui vient troisième. Devant le numéro 8, c'est Cowans Russell Dazzle qui s'est rapproché quatrième. Devant le numéro 2, Siren Fist Arcturus. On va se diriger vers la phase finale. C'est le numéro 7, Clogène Fer Tricle qui a pris l'avantage avec Philippine Madame sur l'As Vitamine Braise et Calix Moisson qui vient en deuxième position. En troisième position, Laigeto Gemina, ces trois-là qui vont lutter pour la victoire, même si on tente de revenir avec le numéro 6, Siren Fist Tabitha. C'est la dernière ligne droite avec Clogène Fer Tricle qui a l'avantage, mais on revient à son intérieur avec Vitamine Braise. C'est de là qui lutte pour la victoire. On finit très bien à l'extérieur avec le numéro 8, Cowans Russell Dazzle, qui va venir lutter pour la victoire avec le numéro 7, Clogène Fer Tricle. Clogène Fer Tricle devant Cowans Russell Dazzle pour la victoire. Cowans Russell Dazzle qui est sollicité par son partenaire et qui va prendre un léger avantage d'avant du poteau. Avec Théo Denuot, la deuxième place pour Clogène Fer Tricle, la troisième pour l'As Vitamine Braise devant le numéro 9, le numéro 6 et le 2, Siren Fist Arcturus. On peut applaudir Soline Hier-Fouchard qui finit son parcours. Et le numéro 3 associé à Gaston Merienne qui va finir également son parcours en 8ème et dernière position.
Arrivée provisoire du prix des Amis du Rugby, championnat de France Poney B, Francir Poney Cross Challenge 2023. Il y a victoire du numéro 8, Cowens Russell Dazzle, associé à Théo Denio pour la propriété d'acteurs de la jeunesse et Guillaume Macaire. Deuxième place pour le 7, Clogène Fer Trikel, associé à Philippine Madame et la Kazakh de Jacques Cypré. Troisième place pour l'As Vitamine Braise, associé à Calix Moisson et la Kazakh de Patrick Papo. Vient noter ensuite le numéro 9, 6, 2, 4.